Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je ne sais pas s'il est déjà parti du Cameroun ou bien il est encore ici. Qui? Il y a un faux prophète congolais. Que quoi? Il y a un faux prophète congolais. Il est mort. On nous dit qu'il est, il est passé au palais des sports. Qui? Marcello Tounassi. Quoi? Hey, pasteur, on l'appelle qui? Marcello Tounassi. Hey, c'est même qui ce pasteur-là? Les chrétiens s'est converti aujourd'hui, il va convertir les âmes dans 20 ans. Non, frère, tu te convertis aujourd'hui. Quand tu rentres à la maison, tu prêches ce que tu as entendu. Tu prêches Jésus. Tu imposes les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et demain, tu vas venir avec 10 personnes. Oui, demain, tu viendras avec 10 personnes. Je te dis! Demain, tu viendras avec 10 personnes. Pasteur, tu dis qu'il a fait quoi? C'est un faux prophète. Eh, Allah! Tout ce qu'il est venu s'aimer ici, la semence du mal qu'il est venu mettre là, nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Marcello Tounassi, le feu sur lui au nom de Jésus. C'est pas possible. Il est dans où maintenant? On ne sait pas s'il est encore dans les quatre murs du Cameroun. Parce que c'est avant-hier qu'il est passé au palais des sports. Le feu le prend et toutes ses œuvres, Marcello Tounassi. Pasteur, qu'est-ce qui le prend? Le feu le prend et toutes ses œuvres au nom de Jésus. Attends un peu, on va un peu revoir ces œuvres-là. Arrêtez de chercher à la fois Jésus et les crânes. On me dit, si vous priez des fois les crânes, des fois vous priez Jésus. Des fois vous priez les crânes, vous priez Jésus. Le feu le prend et toutes ses œuvres au nom puissant de Jésus. Quoi? Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint d'assainir. Tous, partout où cet esprit est passé. Et l'envers rouge. L'histoire que tu enlèves là, ça va te dépasser. Merci d'assainir la nation camerounaise et merci de protéger tes enfants. Et maman. Pasteur, s'il te plaît, continue, c'est la magie. C'est la fin à ton image ici au Cameroun et qui voulait être affecté par cet homme. À toi toute la gloire, parce que tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Azambawam, tes gros noyaux. Tu es comme un cafard. Sale rat. Eh, Allah. Bison Gad, à vous la parole. Hein. Voici l'église, ou devrais-je dire, le camp de concentration du pasteur de l'horreur qui prêche l'évangile de peur et qui sème la terreur dans tout le Cameroun. Plusieurs fidèles viennent de lui porter plainte pour mensonge, apologie du tribalisme et autres fausses prophéties. L'homme est actuellement en cavale, selon nos informations. Et sa synagogue de la honte est scellée. Mais ce bonbon pasteur, dit Caleb Nguatangana, a l'habitude de créer des scandales comme ça. Il disparaît pour un temps et il revient au galop, continuer le show. Cette terre qui abrite son église est devenue un calvaire, où les gens élèvent une fausse prière de notre Père qui ne produit aucun éclair. Pourtant, il prie en invoquant le tonnerre qui va bientôt les précipiter en enfer. Ce pasteur se revendique un appelé de Dieu. Il aurait reçu un appel du Seigneur alors que son téléphone de la foi et de la crainte de l'Éternel est éteint depuis longtemps. Qu'il a donc appelé et avec quel catéchisme. C'est facile de dire que Dieu essaie de nous parler quand on dort sans se laver avec la chaleur de l'été. Et ensuite, les moustiques te murmurent à l'oreille que tu dors quoi? Jésus revient bientôt. Non, c'est déçoit, je suis déçu. C'est ce traître, Azo mérité pandazon. Les mêmes filles qui tombent les démons depuis plus de 5 ans, reconnaissables par ces images. Voici donc un antéchrist des temps modernes qui se balade à montée jouvence comme une malchance en pleine ambiance, avec ses comédiennes aux démons de jouissance. Ah mon frère. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Il y a un an, ce pasteur imposteur intimait l'ordre à ses fidèles élèves de ne pas entrer en salle d'examen officielle si on leur impose le port du masque. Et comme il fallait arborer un cache-nez pour avoir accès en salle d'examen, ces derniers ont renoncé à leur propre avenir. Vraiment, c'est malheureux. Dans cette église, les démons parlent en ukrainien. Ils citent les révolutions de la COP21 dans le corps des jeunes aux alus des Philistins. Maman, pardon, ne me stresse pas. Laisse-moi rentrer tranquillement où je suis venu. Rentre. Hey. Dans cette église, ils ont réussi à trouver le démon, mes copineaux de notre major AC, Division 4 internationale.
Tu vas aller, j'ai besoin d'air. Non. Pourtant, le ministre de tutelle a conçu des églises qu'il a offert gratuitement aux populations. Le voilà qu'on chasse de l'église comme une femme infidèle. Il faut croire que le respect a définitivement foutu le camp et aller s'asseoir au bar dans ce pays. On ne respecte plus les gens qui ont vécu. Une église qui réussit l'exploit à chasser le démon de son ministre de tutelle et qui fonctionne toujours alors que les libertés publiques disjonctent. Un véritable passeur de l'horreur qui accuse tout le monde d'être un démon. Membre du gouvernement, membre parlementaire, corps diplomatique, footballeur, artiste et musicien, homme d'affaires, tout le monde passe décidément au détecteur des démons. On dirait la fameuse clinique de formol d'un certain papa. L'heure est grave, il faut que l'autorité administrative sonne le glas de cette imposture qui a beaucoup trop duré. Je te coupe la tête au nom de Jésus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.